quel est le mécanisme mental que vous mettez pour faire aligner les gens et leur donner 25 000? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Moi, je ne suis peut-être pas administrateur de cette société-là. Je refuserais qu'on donne cet argent à des artistes. Si c'est un pactole, j'ai dit, prenons peut-être cet argent-là, construisons une salle de 100 places pour que les artistes viennent gratuitement faire leur spectacle là-bas. Je dis n'importe quoi. Si ça représente peut-être 60 millions, 100 millions et que vous décidiez de répartir que ça donne 25 000 francs chacun, je vais dire non, faisons une œuvre. Parce que c'est insultant. C'est insultant. Et viens voir les tracas, c'est vrai qu'il faut pour prendre ces 25 000 francs. Tu vas laisser 2 ou 3 000 en chemin, donc tu vas avoir 22 000. Et tu prends maintenant le taxi que tu as pris pour venir, et machin, tu as 20 000. Et puis, tu sais au quartier, on sait que tu as touché l'argent. Mais tu rentres, les gens te montrent, donc voilà, 25 000. Mais ça représente quoi? Comment on fait ça? Comment on fait ça à des humains? Il y a des façons plus intelligentes de traiter un minimum d'argent. Quand on respecte les gens, on ne leur donne pas un certain montant d'argent. Parce que, je ne sais pas, même ma femme de ménage, si je lui donne pas 25 000 francs par mois. 25 000, ça représente quoi? Parce que le droit d'auteur, ce n'est pas simplement parce qu'on t'a donné une somme. Le droit d'auteur, c'est le salaire. C'est le salaire d'un auteur-compositeur, tu vois. Et sur quelle base est-ce qu'on a décidé que tu vas avoir 25 000? Donc, je veux dire que c'est... Je ne sais pas comment il faut appeler ça, mais c'est tout sauf une répartition sur le droit d'auteur. On leur a donné l'argent de taxi pour qu'ils arrivent vite à la maison.